Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je vous avais dit que c'était la semaine dernière, je vous ai dit que c'était la dernière vidéo sur la Wii U. Et en fait, dans les commentaires, sur toutes ces vidéos Wii U, il y a quand même quelque chose sur lequel je voulais revenir. C'est au final pourquoi c'est un échec cette Wii U. Parce que bon, on était sur un énorme carton, hein. La Nintendo Wii. C'est une des consoles les plus vendues par Nintendo. Elle a vendu plus de 100 millions d'exemplaires. Sûrement dû au fait qu'elle a réussi à toucher ce qu'on pourrait appeler des casuals, hein, c'est-à-dire des gens qui ne jouaient pas à la console de jeu avant cette Wii. Moi, j'en veux pour preuve ma propre maman qui n'a jamais joué aux jeux vidéo et qui pourtant eh bien, avait une Wii chez elle pour pouvoir jouer. Faire de l'exercice avec la Wii Balance. Donc voilà, et ça a touché plein de gens comme ça, cette Wii. Ce succès de la Wii, en fait, c'est pas la majorité des gros joueurs de jeux vidéo. C'était beaucoup de casuals qui voulaient faire des petites choses ensemble. On le voit encore, hein, le côté familial. De la Nintendo Switch, c'est énormément mis en avant. Si vous regardez actuellement les pubs qui passent à la télé pour la Switch, ça va vous montrer le Cerebral Academy avec la petite famille, avec la grand-mère, voilà, qui jouent ensemble. Vous avez du Mario Party avec le petit beau-fils qui vient, qui va se confronter aux parents. Voilà, on montre le côté familial de la chose. Et ça a beaucoup beaucoup joué le fait d'avoir cette Wiimote qui n'était pas vraiment une manette. Et donc ça a fait certainement moins peur aux gens de voir qu'il suffisait juste de tenir cette manette pour pouvoir jouer en fait. Juste en la bougeant grâce à cette barre, cette sensor bar. Et la Wii U, le souci, un des soucis de la Wii U, c'est ça. C'est que déjà quand elle est sortie, elle ressemblait beaucoup à la Wii, parce qu'elle était blanche également, elle avait un peu la même forme. Du coup, il y avait cette sensor bar. On pouvait y jouer à vos jeux. On peut jouer à ces jeux Wii sur la Wii. On peut jouer avec les Wiimotes et les Nunchuk sur la Wii U. Donc en fait, beaucoup de gens se sont dit que bah, cette Wii U, c'était quoi? C'était une Wii Plus. En fait, c'était un espèce d'upgrade de la Wii. Et beaucoup de gens, je pense, se sont dit, donc tous les casuals qui avaient acheté cette Wii, se sont dit, bah, je vais pas acheter une autre console qui a l'air d'être la même, en fait, parce que ben, moi, ma Wii, elle me suffit pour ce que je fais. Je ne fais que de la balance, voilà, avec les petits jeux de sport, le petit truc de course et tout. Donc, je vois pas pourquoi j'irais acheter une autre console. Et je pense que le marketing a fait que, justement, il y a eu cet amalgame qui s'est fait entre la Wii et la Wii U. Donc ça, c'est un des aspects de cet échec commercial dès le lancement. Alors, on l'a vu, il y a eu beaucoup de jeux au line-up, parce qu'on a vu qu'il y a eu 23 jeux au line-up, ce qui est beaucoup. Voilà, ce qui est beaucoup, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 23 jeux, il y avait des bons jeux, certes, mais des jeux qui étaient déjà disponibles sur les consoles des concurrents, que ce soit sur Xbox ou PlayStation. Le Mass Effect 3, il était déjà là, les Assassin's Creed, ils étaient déjà là. Donc on voyait bien la volonté de faire revenir les vrais joueurs, entre guillemets, sur les consoles Nintendo. Mais le problème, c'est que c'était en amenant des jeux qui étaient déjà, que ces vrais joueurs-là avaient déjà fait bah, sur d'autres consoles, parce que c'était des titres pas récents. Il y a eu quand même un Mario, mais c'est un Mario 2D, c'est pas le meilleur des Mario. Voilà, moi je l'aime bien, mais c'est pas le truc voilà, qui va te t'en foutre plein la tronche. L'autre partie, si on veut parler que de jeux qui fait que les vrais joueurs
n'ont pas adhéré à cette console, déjà, bah, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux. On le voit bien, en France, il n'y a même pas eu 160 jeux sur les... quoi, il y a eu 4 ans de vie de la console. Donc, c'est très peu, et en plus, c'était espacé, c'est-à-dire que vous n'aviez pas un jeu tous les mois, quoi. Donc, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, même s'ils ont essayé de faire de la diversité, essayé de ramener avec des joueurs un peu plus matures, des jeux un peu plus matures. Malheureusement, la cadence suivait pas. Les quelques pépites qui sont tombées n'ont pas suffi à attirer les gens. Parce que quand même, on l'a vu, que ce soit dans la vidéo top 10 ou dans les... Voilà, on a vu que Nintendo a quand même sorti des masterpieces. On a eu le Mario Kart 8, qui est quand même le jeu le plus vendu de la Switch, parce que c'est toujours le même. On a eu les Pikmin 3, on a eu Splatoon, qui était quand même une belle prise de risque multi pour Nintendo, qui n'était pas dans ce délire-là avant. Et quand même, c'est franchement, je trouve que Splatoon, c'est un très très beau jeu, hein. C'est un super jeu en multi. Moi, j'ai surtout joué à Splatoon 2 sur la Switch. J'ai passé des moments de kiff total. Franchement, Splatoon 2, c'est vraiment un excellent jeu. Moi, j'adore le multi de Splatoon 2. Bon, en solo, ça n'a aucun intérêt. Mais en multi, c'est génial. Donc, il y a eu quand même le Super Mario 3D World, vous savez ce que j'en pense. Même s'il y en a beaucoup qui disent que c'est pas un bon Mario. Moi, c'est mon Mario 3D préféré. J'ai kiffé faire ça. Parce que bon, il y en a qui disent que c'est une espèce de faux Mario, c'est une espèce de Mario 2D en fausse 3D, enfin bref, il est dénigré, mais moi je l'adore. J'ai vraiment surkiffé le Super Mario 3D World. Il y a aussi le fait qu'il y a des licences qui ne sont pas apparues dessus. On a eu du Star Fox, mais par exemple, on n'a pas eu de Metroid, par exemple. Alors qu'on avait sorti la trilogie sur la Wii, on n'a pas eu. Alors après, voilà, tu pouvais y jouer hein, sur ta Wii U. À tous ces jeux, oui. On n'a pas eu de Zelda. Les seuls Zelda qu'on a eu sur la Wii U, c'est des Zelda HD, c'est des remasters. On n'a pas eu un vrai nouveau Zelda. Donc il y a quand même eu des gros manques de jeux pour, voilà, faire percuter. Et le problème, c'est que les très bons jeux sont arrivés trop tard. Les gens avaient déjà abandonné. D'autant que Nintendo, une des grosses erreurs, je pense, qui a juste enterré la console, c'est que à peine 2 ans après la sortie, il commençait déjà à annoncer, je crois qu'il l'appelait la NX, ce qui sera la Switch au final. Donc 2 ans, seulement 2 ans après la sortie de la Wii U, ça commençait déjà à parler d'une nouvelle console. C'est pas ce qui se fait de mieux si vous voulez la vendre. Sachant que normalement, grosso modo, la durée de vie d'une console, c'est plutôt 7-8 ans. Là, au bout de 2 ans, tu commences à dire que tu vas sortir une nouvelle console et qu'elle ne sera pas compatible. Bon, les mecs, ils vont pas se lancer dans un investissement dans une nouvelle console, surtout avec un catalogue assez pauvre, avec des sorties qui se font vraiment au compte-gouttes. Ça motive pas à acheter une console. Tous ces petits trucs là ont fait que au final les joueurs n'ont pas adhéré du tout au concept. Je pense que voilà, ça ressemblait trop à la Wii, ça a manqué de jeu, ça a manqué de soutien, et puis voilà, pour moi le clou qui a été porté au cercueil, c'est vraiment d'annoncer que au bout de 2 ans, qu'on est déjà en train de faire une nouvelle console qui va sortir. On sait que quand on commence à parler d'une nouvelle console, c'est qu'elle va pas sortir dans 10 ans. D'ailleurs, elle est sortie très rapidement derrière la Switch. Donc forcément, là, ça a été la fin pour cette Wii U. Et je pense que c'est une des grosses parties de l'échec de cette console. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, j'ai, tout au long de ces vidéos que j'ai fait sur la Wii U, ça a beaucoup débattu de ça, c'est quand même bizarre parce qu'il y a des bons jeux, c'est quand même bizarre parce que le line-up quand même, il était pas mal, mais au final, il était pas mal, il était conséquent,
mais sur des trucs bah voilà, qui étaient déjà sortis, que les joueurs connaissaient déjà. Donc très vite, les gens ont délaissé. Autre chose, quand même, il faut être honnête, le concept de la mablette, c'était de se dire, si tu joues sur ta télé, et si tu vas te coucher, bah tu vas amener ta mablette pour pouvoir continuer ta partie. Ouais, ok, pourquoi pas. À la limite, pourquoi pas. Sauf, effectivement, dans les faits, fallait quand même. Faut pas être trop loin non plus de votre Wii U. Hein, c'est pas une vraie portable. C'est-à-dire qu'il faut quand même rester à une certaine distance. Donc ça limite quand même. C'est pas vraiment une portable. Voilà, c'est pas comme la Switch qui, elle, est vraiment portable. La Wiimote, bah, si tu te barres à 10-15 mètres ou si tu vas dans une autre pièce, au final, elle fonctionnera plus. Donc ton jeu, tu pourras pas y jouer. Donc ça te retient quand même. Voilà, il faut que tu sois pas trop loin de ta Wii U si tu as envie d'y jouer. Et puis, il faut être honnête, vous avez déjà dû le voir pendant que je faisais tous ces tests, toutes ces découvertes de jeux de la Wii U. Quand vous avez un jeu où il faut regarder à la fois la mablette et la télé, bah c'est franchement pas pratique. Je veux dire, on a qu'une tête. On peut pas regarder là et puis là en même temps. Donc c'est pas jouable. C'est un des trucs, ouais. Beaucoup parlent de Zombie U comme étant assez super jeu. C'est vrai que c'est un très bon jeu. Mais c'est quand même pas pratique d'être comme ça. Et puis de regarder comme ça. C'est pas pratique. Voilà, c'est. On n'est pas. Le corps humain n'est pas fait pour suivre deux écrans comme ça en même temps. Même si vous la mettez comme ça pour voir le truc, ça va pas marcher. Donc non, au final, le concept était un peu bidon, voilà, de cette mablette. Et voilà, après, on a vu que ils ont réussi quand même à se renouveler. Voilà, c'est marrant parce que on pourrait faire le parallèle avec la GameCube, qui n'a pas été une console à succès non plus, hein. C'est pas un gros succès la GameCube, et pourtant c'est une console incroyable avec des jeux complètement dingues. C'est une super console la GameCube. Et on pourrait dire qu'en fait la Wii par exemple, c'est une GameCube Plus. D'ailleurs on peut jouer à nos jeux GameCube sur les premières Wii. Je sais pas si après c'était toujours le cas, mais les Wii où vous avez des ports manette GameCube, vous pouvez jouer à vos jeux GameCube dessus. Et c'est marrant de se dire qu'après la Wii U, qui a été l'échec après la Wii, est une Switch. Voilà, c'était la Switch et c'est une GameCube, c'est une Wii U Plus quoi en fait, puisqu'on a vu, on a pris tous les jeux et on les a mis dessus pour booster la console. Donc ça me paraissait intéressant de faire cette dernière vidéo histoire de bien boucler la boucle de cette collection de Wii U. Voilà, donc j'espère que toutes ces vidéos vous ont intéressé. N'hésitez pas à mettre vos théories sur les échecs de la Wii U dans les commentaires. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à cliquer sur le bouton rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.